Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. C'est le retour de Momo. Momo. Yeah. Après 9 mois de tour du monde, c'est le retour. Ah putain, ça y est. C'est parti. Donc on t'a fait tes petites initiations au trône de fer. Et donc on va jouer au trône de fer aujourd'hui. Et on va jouer la troisième mission. Vous voyez, on a bricolé un petit château fort pour la troisième mission qui s'appelle Qui veut casser mon château. Mon château à moi. C'est mon château à moi. Alors ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle A Storm of Swords. Donc c'est une tempête d'épée. Donc tempête d'épée, c'est un des scénarios qui est proposé dans les scénarios de base. On l'avait déjà fait une fois, nous, en test. C'est pas un scénario que tu joues, à mon avis, en tournoi, parce que c'est un peu compliqué. Pour nous, c'est un scénario qui est un peu plus fun, on va dire, mais sur lequel tu vas préparer tes listes pour essayer de, toi, protéger ton château, puisque c'est toi, Momo, qui va être en défense du château, et moi, pour attaquer ce château et pour le détruire. Donc, on va vous expliquer tout ça autour de la table, la mission, nos armées, etc. Momo, toi, le trône de fer, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi? C'est le jeu. Ah. Putain. Le jeu, là, c'est... Attends, je sais pas. Bah, si, et non, mais si. Bah oui, on a fait deux, trois parties d'initiation. Bah, moi, je trouve ça bien cool. Ouais, j'avais bien vu cool. La première vidéo que vous aviez partagée. Ouais. J'avais trouvé ça un peu particulier sur les tests de morale, etc. Ouais. Mais ouais. Les parties tests, après, ça t'a convaincu. Ouais, j'ai bien kiffé les petits persos, là, les apports stratégiques, tout ça, c'est bien. Toi, t'attends avec impatience les sauvageons. Ouais. C'est des clodos roux. ça nous parle. Et puis, bah, écoutez, les amis, on va faire notre partie avec Momo. Donc, notre première partie filmée en trône de fer avec Momo sur la mission numéro 3, une tempête d'épée. Donc, l'attaque de château. Qui veut casser mon château? Donc, c'est moi qui vais être en attaque avec mes Lannister, une compo mix Lannister-Bolton. Et toi, Momo, tu vas être en défense du château avec les Stark. Allez, c'est parti, les amis. On se retrouve autour de la table pour vous parler de la mission et des armées. A tout de suite. Bim! 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 Ça y est, les amis, on est en position. Momo, t'es prêt à protéger ton château? Je vais te défoncer. Et tu vas me défoncer. Je t'attends. Donc, alors, le château, les amis, vous le voyez ici, on a trois portions de mur. Une, 2, 3, donc qui remplace les réglettes en carton qui sont dans la boîte. Sur chacun des pans de mur, on a mis 6 archers. C'est fluff parce que les murs tirent, mais ça va aussi servir pour compter les points de vie. Donc chaque pan de mur a 6 points de vie, donc 6 archers. Et pour enlever un archer, il faut faire 2 points de dégâts. Hein, on annule les impairs. Donc à chaque fois, c'est 2 points de dégâts. Ici, 6 autres archers et 6 autres archers. Alors, mon cher Momo, tu as la carte du château aussi, ici, avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Donc, alors, chaque pan de mur a 6 points de vie. Il va lancer 8 dés de tir et il touche sur du 4 ou plus. Donc, vous voyez, c'est long range. Il ignore les lignes de vue. Et ensuite, ça peut être utilisé même si il y a des ennemis engagés au corps à corps. Quand une unité s'active et qu'elle est au corps à corps avec un mur, elle va prendre D3 wounds, donc D3 dégâts, blessures plutôt. Et ça, c'est seulement pour les ennemis, hein, bien sûr. Et donc, résiliente, la dernière règle, c'est il faut effectivement faire 2 dégâts pour faire 1 point de blessure au mur du château. Donc, chaque mur du château va rapporter 5 points de victoire s'il est détruit à l'attaquant. Donc, comme on joue en 40 points, c'est 10 points de victoire. Il va donc falloir que je tue, je détruise 2 pans du château sur les 3, ou bien un pan de château et que je rase toutes tes escouades puisque tu en as 5 au total. Alors, sur la table, il n'y en a que 3 déployés en début de partie. Ça fait partie des règles. Et ensuite, il y en a 2 en réserve. Donc, ici, on le voit, tu as des unités de garde. Comment ça s'appelle? Les Stark Swarm Swords. Bon, voilà, c'est les gardes de base chez les Stark. À chaque fois, tu leur as mis un capitaine. Ça donne quoi, les capitaines? Je sais pas. Si, c'est marqué dessus. Attends, je vais lire la carte. En anglais? Ouais, en anglais. Tu nous fais une petite traduction live. Ok. Quand cette unité makes melee attack. Donc ouais, quand tu attaques. Quand j'attaque, après avoir jeté les dés d'attaque, le défenseur devient vulnérable. D'accord, vulnérable.
Ouais. Donc ça fait relancer, les dés de, dés de sauvegarde. Donc tu en as deux comme ça, ici, chacune ici, avec un capitaine. Ouais. Ensuite, tu as une unité de grand de hache avec Eddard Stark, donc ton commandant. Ouais. Parce que tu as pris la version commandant de Eddard Stark. Donc là, l'objectif, j'imagine que c'est de soigner un peu les unités à portée, long range, c'est quand ça. Tu fais des attaques en mêlée. Et les grandes haches, leur grosse attaque puissante, c'est qu'elles annulent toutes les défenses d'armure. Donc ça, c'est la hache à deux mains quand tu es engagé en corps à corps en début d'activation. Donc ça, c'est assez puissant. Et ensuite, en réserve, tu as donc deux unités de cavalerie qui vont arriver à partir du troisième tour sur un des bords de table, ici ou ici. Donc tu les déploies en début de tour, mais ça ne compte pas comme leur activation. Donc ils vont pouvoir jouer à partir du tour où ils sont mis en place. Et donc moi... De mon côté, alors attends, on n'a pas fini. Ouais. Du côté du tableau tactique, tu as Sansa et Catelyn Stark et une tablette de chocolat. Ouais. Sansa et Catelyn. Ouais. Donc pour un total de 40 points. Hein. 40 points tout pile. 40 tout pile. Momo prêt à défendre son château vaillamment. Donc moi, mon objectif, ça va être de détruire les murailles du château pour choper 10 points de victoire. De mon côté... Moi, j'ai fait une composition Lannister et Bolton. Donc, ici, j'ai une unité d'hommes de la montagne qui va être menée par Tywin Lannister. Donc, ce sera mon commandant. J'ai pris la version commandant. Donc, voilà, ici. Un peu de renfort ici avec des Bolton. Donc, ça, c'est les Cutthroats. J'ai pris cette unité-là parce que... j'ai essayé d'optimiser le mouvement en fait. Ils ont un mouvement de 5 quand les unités de base en infanterie chez les Stark ont plutôt 4. J'ai priorisé le mouvement pour la simple et bonne raison que toutes mes unités vont revenir. Moi. C'est-à-dire que si je me fais détruire des unités, elles vont revenir sans leur attachment, mais elles vont revenir pour pouvoir retourner à l'assaut. Donc même si je me fais poutrer, elles vont pouvoir revenir et retourner au charbon. Donc ici, les hommes de la montagne avec Tywin. Les Cutthroats. Ici, j'ai la montagne à cheval parce que ça fait mal. Ici, une unité de cavalerie Lannister. Et de l'autre côté, ici, une unité de cavalerie Bolton. Et donc, c'est pour ça que tu m'as mis là-bas ton escouade de grande hache parce que leur sauvegarde de 2 ou plus, potentiellement, va sauter avec les grandes haches s'ils survivent à la charge fatale. C'est le plan. Ok, est-ce qu'on a d'autres trucs à dire ? Oui, moi ici j'ai en plus sur le tableau tactique, j'ai Pycelle et Cersei. Donc Pycelle, le vieux Vislar et Cersei. Donc voilà, on est prêt pour le premier tour. Sur cette mission, c'est Momo aussi, c'est le défenseur qui place les décors comme il veut. Donc il m'a pourri un peu mon déploiement. Pour essayer de me ralentir au maximum, j'imagine. Et aussi un truc spécial sur cette mission qui veut casser mon château, c'est les cartes spéciales. Donc ici j'ai les cartes d'attaque, c'est les cartes de siège. Il est en train d'essayer de voir ce que tu triches. Donc ici moi j'ai des cartes d'attaquants. C'est des effets assez puissants qui vont se déclencher. Souvent en fin de partie, moi, c'est à partir du tour 3 et 4 que je vais pouvoir activer tout ça. Donc souvent en début de round, on va pouvoir activer. Et toi, tu as des cartes des défenseurs. Donc il y a un set de cartes différents si on est défenseur ou si on est attaquant. Ouais, tu montres rapidement, tu nous montreras les effets en cours de partie. Mais voilà, on va pouvoir commencer. C'est Momo qui a la main puisque ouais. Tu as le trône. Tu vas pouvoir faire ta première activation, Momo. Et ben c'est parti. Et je vais commencer par activer une petite escouade. Alors, on l'a pas précisé, ouais. Mais les murs s'activent aussi. Parce qu'avec les murs, tu vas pouvoir faire des tirs. Tu peux que tirer. Hein? Sachant que la portée, c'est du long range. C'est long range, donc pour l'instant, tu n'as rien à porter. C'est la réglette. Ouais. Donc, je vais activer cette petite escouade. Ouais. Et je vais lui faire un petit déplacement. Donc eux en mouvement, ils ont 5.
puis juste faire un petit déplacement latéral. Ouais, tu peux faire rotation. Donc effectivement, ça, tu peux te déplacer en crabe. Même si c'est pas très joli à voir, ça, techniquement, ça se fait. Ok. Voilà. Un petit pion d'activation. C'est lesquels les pions d'activation? C'est les verts, hein. C'est ça. Tac. Fait. C'est fait. Fait. À moi. Je vais prendre la main et je vais tout de suite aller, moi, en tant que joueur vétéran, sur le tableau de tactique, et je vais activer Cersei et je vais te faire un test de morale. Je vais donner sa carte ici, je vais affecter cela ici, tes grands de hache. Okay. Et donc tu vas me faire un test de panique à moins 3, s'il te plaît. Moins 3, ok. Ouais, parce que tu as moins 1 de base et donc moins 2 en plus parce que tu as Cersei qui est en train de mettre la pression sur ta famille. J'ai 6 de base. Ouais. À moins 3. Eh ben voilà, ça commence fort, Momo. Un double 1. On rembobine, on recommence. Je pense pas que tu puisses tomber en dessous de 0. Donc là, tu le loupes 2. Tu as 6 en morale, c'est ça? Ouais. Eh ben écoute, je crois que ça fait 6 morts tout simplement. Ok, alors je vais jouer une petite carte. Quand une unité amie rate un test de morale, j'ai le droit de rejeter mon dé. Ah, pas mal. Et si je suis à long range de l'escouade d'Edar, c'est automatiquement réussi, sachant que Edar est dans l'escouade. Donc voilà. Eh, pas mal. Et j'aurais pu, si j'avais été au corps, de faire une petite attaque en plus, mais on va dire que... Donc là, tu utilises ta carte tactique et ça te permet de sauvegarder automatiquement, c'est ça? Ouais. T'as même pas besoin de relancer les dés parce que l'Edard est dans l'escouade. Exactement. Putain, ouais, moi, j'étais tout content de t'avoir viré 6 mecs sur un fameux double 1. Ah, c'est pas le mal, double 1 de la partie, mais j'en ferai pas chaud. Le reste, c'est des double 6. Ok, ça marche. Bah écoute, montre-nous tout ça en action, c'est à toi. À moi. Je vais activer Sansa, la petite routine, pour prendre 2 cartes tactiques en plus. Ok. Tac, tac. Alors moi, je vais prendre Pycelle. Donc lui, Pycelle, quand on place sur le tableau tactique, on va mettre un pion affaibli sur une unité ennemie. Donc je vais le mettre ici sur la manœuvre gratos. Et je vais mettre un pion affaibli sur cela. Donc affaibli, c'est l'épée cassée là. Je vais pouvoir te faire relancer tes... Sur lesquels? Cela? Ouais. C'est bon. J'ai le droit aussi de faire une manœuvre gratuite. Et je vais bouger mes chevaux. Mes chevaux, ils vont faire leur mouvement. Donc c'est un mouvement de 5. Tac, et puis ils vont faire... Ils vont commencer à s'orienter comme ça. C'est fait pour moi. Ok. Je vais activer ma deuxième escouade de base. Et je vais faire la même chose, un petit déplacement. Mais. Tac. Je ne vais pas les déplacer de la totalité. Ça fait quoi ça? Comment ça marche? Si je fais ça. Faut que je les fasse avancer en biais comme ça. Tac. Et puis je vais les refaire pivoter. Bon, ok, de toute façon. C'est juste pour les rapprocher un peu. Ok. Et bah ben, c'est marche, bon. C'est bon. Ouais. Alors, je vais activer mes cut shot, mes coupe-gorge, coupe-jarret. Je vais leur faire un double mouvement. Donc, comme ils doivent passer sur la plaque de glace ici, je vais perdre un mouvement. Donc, je vais avancer de 9 uniquement. Je vais regarder si je ne m'aime pas trop près de tes archers. Non, c'est bon. Donc ça, c'est fait. C'est activé. À toi.
Bah moi, il me reste plus grand chose. Il me reste tes murs. Soit Kathleen, soit mes murs. Ah, je peux activer mes. Ouais, tu peux activer tes murs. T'as des tokens d'activation pour tes murs aussi. Donc, si tu veux temporiser, parce qu'à mon avis, ouais, au premier tour, tu vas pas pouvoir me tirer dessus, mais ça te permet effectivement de temporiser. Ou si tu vas peut-être pouvoir me tirer sur. Bah, on va voir, hein. Après, je vais peut-être approcher avec des cavaliers, tu vois ce que je veux dire. Faut que je panique là ? Ouais, faut que tu paniques. Ça fait quoi la distance ? Ça fait ça. On a le droit de mesurer quand on veut, c'est ça ? Ouais. Tac, le dé. Ils ont combien de mouvements ? Ils ont 6. Ouais, mais 5, ils ont un, attends, 12. Ils ont un mouvement. Ils ont une manœuvre gratuite à leur activation, ouais, et puis après une charge. Ok. Donc, je vais. Ouais, allez. Je vais activer eux. Ouais. Et pareil, ils vont faire un petit déplacement en crabe. En crabe. Pour se rapprocher par ici. Tac. Donc, ça, c'est activé. Ça, c'est activé. Et ça, c'est activé aussi. Même si j'ai pas mis les pions. On n'a plus assez de pions d'activation. Ok. T'en as dans la boîte là. Non, j'ai tout piqué. Non, attends, il y en a là aussi. Il m'en reste un, c'est bon. Ah, what? Alors, je vais activer mes hommes de la montagne et ils vont faire comme leurs potes, ils vont courir. Ici, ils vont faire un double mouvement, ils passent à travers là, le lac gelé. Donc, ils bougent de 9 jusqu'à là. Ok, je vais activer ce premier mur au milieu. Je les mets en état d'alerte. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça n'existe pas. Donc je vais activer mes chevaux ici. Ils vont faire leur manœuvre gratuite. Donc les chevaux, c'est 5. Et après, est-ce que je tente une charge ? Alors le mur, il m'a l'air d'être un peu loin. Ici, par contre, j'ai une charge à combien ? À 12 ? Ouais. Ouais. Donc ça, une charge à 12, ça va pas passer, ça. Ils ont 5 de mouvement. Non, je vais me réorienter comme ça. Et ensuite, je vais faire une course. Donc, je bouge de 10. Parce que comme je serai premier joueur au prochain tour, j'ai peut-être une petite charge à faire sur le mur. Ils vont se prendre une volée de flèches, par contre, j'ai l'impression. Hein. Et pas que. Et pas que ? Oh merde. Ok. Alors, cette fois-ci, par contre, ils ont été activés. À toi. À moi, et bah ouais, bah écoute, ouais, une petite volée flèche, finalement c'est pas mal. Volée flèche ? Ouais, j'active cela. Donc j'active cela. Combien de dés ? C'est 8 dés, c'est ça en attaque ? C'est 8 dés. Sur 3, du 4 ou plus ? 4, 5, 6, 7, 8, c'est sur du 4 plus. Ah, c'est stat. C'est stat, mais c'est quand même 4. Quand je rate, je fais pas semblant de rater. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je vais avoir 4 sauvegardes d'armure. Je vais peut-être jouer un truc avant. J'ai joué la carte tactique qui me permet d'avoir plus 1 sur le. Ah, purée. Et sur mon dé de défense. Vas-y, j'ai merdé. T'as merdé quoi ? J'ai merdé, j'avais une carte à jouer, je la jouerai au prochain tour. Ah, bah, c'est ça. Allez, vas-y. Alors, ça me fait des sauvegardes à 2 ou plus. Parce qu'il y a, grâce au plus 1, eh ben tu vois, regarde, moi aussi j'en fais des 1. Ça, c'est bon, ça. Heureusement que je les joue parce que j'aurais perdu un cheval. Là, je prends 2 points de dégâts. Sur mes canassons. Hop. C'est à moi. C'est à toi. Je vais activer la montagne à cheval. Ici, présent. Ça te fait peur ou pas ? Vas-y. Alors, la montagne à cheval, il va commencer par sa manœuvre gratuite. Hop, on va faire un petit contournement du lac.
Hop. Et après. Et après, il va faire une marche, donc un double mouvement. Il va venir se caler ici. Et réorientation. Voilà, voilà. À moi. Eh ben, je vais jouer 4 lignes. Ouais. Qui vient là, qui permet de récupérer 3 blessures, mais bon, t'en as pas blessé, et d'enlever un condition token. Je t'avais mis un affaibli là. Ouais, c'est ça. Ok. Après, c'est à moi. Il me reste plus que mes Bolton. Donc, tu as gardé bien évidemment ton tir si j'approche trop près. Alors, les Bolton, ils se déplacent de 5. Donc, je vais commencer par ma manœuvre gratuite. Et après, je vais faire une course à travers les bois. Donc c'est pareil, ça va me réduire de 1. On va enlever des arbres meringues. Hop, on va les rajouter comme ça. Ok. À moi ? Ouais. Je suis pas à distance ? Ah non, pas encore. C'est bien fait tout ça. Je suis vraiment pas à distance. Hein. Ok. Bah là, écoute, il ne me reste plus qu'à activer un mur. Un mur. Et donc le mur ne fait rien. Et le mur ne fait rien. Toi, tu as tout activé. Ouais, ouais. Toi aussi. Moi aussi, j'ai l'impression que j'ai tout activé. Donc c'est la fin du tour. On va faire le point sur nos cartes tactiques. Et on va nettoyer la table. Début du deuxième tour. Alors c'est moi qui ai la main. Je vais donc tout de suite commencer par activer une unité. Et je vais activer mes cavaliers. Alors je joue une carte. Voilà. Ouh. Donc c'est une petite carte de stratégie là, spécifique à la mission. Qui s'appelle Combat Chaos. At the start of any turn, reveal this strategy and place 3 order tokens on it. Donc j'ai placé 3 tokens sur la carte et quand une unité ennemie va vouloir s'activer, je vais pouvoir utiliser un des tokens pour l'empêcher de s'activer, enfin obliger l'adversaire à choisir d'activer une autre escouade. Ok. Donc la place là, je place 3 petits tokens dessus. Je mets quoi comme token? C'est le token d'ordre. Donc là, tu utilises un ordre pour m'obliger à activer une autre unité. Ouais. C'est intéressant. Quand je souhaite. D'accord. Donc je sais pas ce que tu veux activer, on va voir. Ben là, écoute, je voulais activer mes cavaliers pour charger le mur. Est-ce que tu veux m'empêcher de faire ça? Est-ce que je veux t'empêcher de faire ça? De toute façon, tu n'allais pas me dire ce que tu voulais faire. Non, ben, je vais pas t'empêcher de faire ça. D'accord. Bon, ben écoute, je vais faire ma manœuvre gratuite. Manœuvre, hop, je vais faire 5 comme ça, et après je vais faire ma charge dans la foulée. Je vais me mettre comme ça pour optimiser, et puis après je vais faire ma charge. Donc c'est bon, c'est bon, je t'aide. Ouais, je viens, mais tu me contactes le mur du château, et voilà, j'ai gagné. Alors, je suis en charge, donc je vais avoir 9 dés. J'ai Critical Blow et Sundering. Donc Sundering, ça ne va pas avoir d'effet parce qu'il n'y a pas de sauvegarde d'armure pour le mur. Par contre, j'ai 9 dés relançables grâce à la charge que je n'ai pas loupée. 3, 9 dés, et je vais toucher sur du 3 ou plus. J'ai 2 échecs que je peux relancer. Ah, et puis j'ai Critical Blow aussi. Donc tout est bon. Et en plus, j'ai combien? J'en ai 2. Ça fait 10, ça fait 5 points de dégâts. 11, ouais, ça fait 5 points de dégâts déjà. Ça te fait peur ou pas? Tu peux enlever 5 archers là-haut.
Ça commence à faire pas mal, les gars. Ça commence à faire pas mal sur une première charge de mur. C'est pas mal du tout. Hein. Ok. Bah, c'est pas mal. Ah, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Tu fais voir cette tête. Tu transpires derrière ton château. C'est pas censé être costaud, un petit château. Si, c'est costaud, il y en a trois comme ça. Et puis j'ai pas cassé le premier encore. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, à moi. Ouais. À toi. Je peux me venger. Tu peux tout à fait te venger, là. Tu veux charger mes cavaliers de flanc, c'est ça? Alors déjà, non. Alors, tiens, juste un point de règle. Là, ici, ouais. Tu peux pas me charger parce que je suis pas dans ton angle de vue. Non. Si. Si. Mais non. Si, je te jure. Mais non. Non, je te jure. Il faut que je sois dans ton angle de vue à ton moment de ton activation. Ton angle de vue, c'est ça, là. Tac et tac. Tu vois la ligne de diagonale? Donc là, effectivement, tu peux pas me charger. T'as les boules ou pas? Tu les vois pas, en fait. J'ai pas les boules, je veux l'adresse du jeu, des gens qui ont inventé ce jeu, c'est techniquement. Non, mais je les vois pas, ils viennent de... Ok, c'est la règle. C'est comme ça. C'est la règle. Donc là, question technique, on s'est posé la question avec Momo, parce que la case du board tactique qui permet de réparer 3 wounds, 3 blessures à unité, est-ce qu'on peut l'utiliser sur un des murs de château? Alors, les murs des châteaux ont bien des points de vie, mais ça n'est pas considéré comme une unit. Et la case stipule bien que c'est sur une unit. Donc, on se dit que non. Hein, vous nous les mettrez dans le commentaire si on fait n'importe quoi. Mais a priori, on ne peut pas soigner les murs du château avec la bourse. Ça ne concerne que les unités. Eh ben, je suis bien emmerdé. Tu es bien emmerdé, hein. Parce que tu vas me faire le coup pareil, là. Je vais me faire péter mon petit château comme ça de ce côté-là. Ouais. Alors attends, juste un point sur les renforts. Si je fais venir les renforts. À partir du troisième tour, à partir du troisième tour. Donc tu peux les déployer sur n'importe quelle table de bord de table. Au début du tour, tu les déploies. Et après, tu pourras les activer. Ok, là je peux pas. Attends, je peux pas te charger. Mais je peux pas t'attaquer non plus. Bah non, parce que je suis pas au corps à corps avec toi. Donc techniquement, t'es là, ouais. Je suis là, ouais. Je peux rien, pas t'attaquer. Non, tu peux pas m'attaquer là. Par contre, tu peux faire utiliser une manœuvre gratuite je sais bien. Pour te redéplacer. Mais techniquement, ça n'a pas de sens. Bah si, tu peux faire une manœuvre gratuite. Mais ça d'accord, non mais hormis ça, c'est ce point de règle là. Ouais. On est bien d'accord. Momo, tu peux changer de jeu si t'es pas d'accord avec les règles. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le, tu peux pas faire mon DCD? Bah, ok, bon, vas-y, j'oublie, j'arrête. J'arrête, tu déclares en fait ou quoi? Non, mais c'est complètement con. Bah, c'est complètement con. Non, c'est pas complètement con, c'est le jeu qui est comme ça. C'est toi qui es complètement con. Fais ta manœuvre gratuite, tu les réorientes et hop, tu me charges de flanc. Ça, c'est pas tu peux même me charger vers l'arrière. J'y reviens. Mais il y a la montagne à cheval qui peut aussi te faire le fion. Allez, Momo, fais quelque chose. Je vais pleurer. Oui, pleure. Ça me paraît être une bonne option. Ce que je peux faire, ben, je vais tirer dessus avec ceux-là. Ça, c'est très bien. Ça me paraît très bien. Donc, allez. Le château. 8D. 8D. 1, sur du 4+. 4, 5. Je suis dans l'arc de... J'ai la ligne de vue ou pas? Oui, t'as la ligne de vue. Il n'y a pas de problème de ligne de vue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac, tac, toujours sur du 4+. Alors attends, je vais jouer une carte. Arrow stock. At the start of a friendly turn, ce qui est mon cas. Donc au début d'un tour, j'ai deux choix. Choose one. Until the end of the game, donc jusqu'à la fin de la partie, qu'est-ce que je suis bilingue. Caster Walls, Arrows, Attack, Gains, plus 1 to hit, and Thundering. Putain. Ou je peux faire une attaque gratos de toutes mes, de tous mes trucs. Donc je ne vais pas faire ça, je vais bien faire le truc qui me donne plus 1 jusqu'à la fin de la partie. Mais juste sur cette portion de mur en fait. Tu vois. On va la regarder ensemble. Castle Walls, bah non.
Voilà. Il y a un apostrophe S. Alors, on y va. Alors, choose one. At the start of a friendly turn, choose one. Until the end of the game, castle walls, arrow, attack, gain plus one to it, and thundering, all remaining castle walls may make one free range attack. Ok, donc ouais, c'est tous les murs du château deviennent thundering et plus un to it. Donc tu vas toucher maintenant sur du 3+, et en plus tu vas avoir moins un au jet de sauvegarde. C'est fort. C'est très fort. Donc là, les archers, ouais. Bien. Donc sur du 3+, putain, c'est bon. Bon, pas tant que ça. Il y a que 2 échecs. 5, 6. Ouais. Et donc je vais faire mes tests d'armure à moins 1. Donc je vais passer sur du 4. Pourquoi t'as pas fait un test de morale tout à l'heure? D'accord. C'est vrai. C'est vrai, j'aurais dû faire un test de morale. Tu veux que je le fasse maintenant? Ouais. C'est vrai, on a oublié. Alors 6. J'avais combien moi en morale? J'ai 6, donc c'est bon. Ok. C'était juste, mais c'était bon. Alors maintenant, ça c'est mes tests d'armure sur l'attaque que tu viens de faire. Sur du 4 ou plus, puisqu'ils ont une armure de 3 ou plus en base. Oh putain, ça fait... Oh, ça fait... Ça fait beaucoup. Ça fait 5. Donc, 5 échecs. Donc ça fait 3. Ouais. 3. 4. 4. Je suis enlevé celui-là. Ouais. C'est ça. Et donc, un petit test de panique. Un petit test de panique en plus. Et c'est bon pour le test de panique. Eh ben, Lyon. Heureusement que tu reviennes. Alors, je vais activer Pycelle. Momo, est-ce que tu veux m'interrompre? Laisse-moi réfléchir 3 minutes. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, Pycelle, il va venir se mettre ici sur la bourse. Je vais réparer un canasson. Je veux bien que tu me mettes là-bas, s'il te plaît. Et puis, je peux enlever un token, mais j'en ai pas, a priori. Par contre, toi, je peux te mettre un token. Je vais te mettre un token. Je vais te mettre un token weekend sur cela là. Weekend. Ouais, donc c'est la petite épée affaiblie grâce à l'activation de Pycelle. C'est fait. À toi, jeu. Moi, je vais jouer Kathleen Stark. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire, la bonne Kathleen? Kathleen Stark, elle va faire un truc de ouf. Elle va... Manœuvre gratuite. Faire une manœuvre gratuite. C'est parti pour la manœuvre de ouf. Alors déjà, elle permet aussi d'enlever un pion, un token. Ouais, un token. Tu peux aussi mettre sa carte sur une unité. Ouais. Pour qu'elle tape plein potentiel. Bon, pour le moment, de toute façon. Ok. Je vais mettre là-dessus et la manœuvre, je vais la faire avec cela. D'accord. Et sa carte à elle, tu la poses sur qui? Ok. Ouais, sur eux. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Donc eux, je vais les faire avancer. Je vais en venir. Putain, je suis... Le crabe. J'ai fait quoi? Je me suis un peu enflammé. T'es un peu loin. Je me suis un peu enflammé. Mais de toute façon, ils vont pouvoir changer à côté, eux. Marchand crabe. Attends, je réfléchis un instant parce que. Ok. Ok, à toi. Ouais. Alors, je vais activer Cersei et elle va prendre l'épée ici pour que mes cavaliers puissent faire une autre attaque sur le mur. Vas-y.
et je vais donner sa carte à ceux-là ici. Okay. Donc moins 2 sur les tests de morale. Alors l'attaque sur le mur, par contre là j'ai plus de charge, donc c'est 6 dés, ils sont pas relançables. Et il me faut au moins 2 réussites pour finir le mur. T'es prêt? Ouais. Homo. Eh ben c'est bon, ça fait 4 dégâts. C'est 3 plus? C'est du 3 plus, ouais. 3 okay. plus. Ok. Puis en plus j'ai critique à... Ah non, j'ai pas critique à blow parce que je suis pas en charge. Non, donc ça fait 4 points de dégâts. Et donc c'est bon, j'ai détruit un mur. Donc je suis à 5 points de victoire. Et comme j'ai détruit le mur, normalement, je dois pouvoir faire une réorientation. Tac. Comme ça. Je vais faire une charge. Ah, t'es comme ça, toi. Mmh. Donc là, ici, tu prends tes grandes haches. Je prends mes grandes haches. Et ton courage à deux mains. Je suis à 7. Ok. Ouais, c'est 7 le plus proche. Ils ont un 4. Mouvement combien? Ils ont un mouvement de 4, donc ça va être sur du 3 ou plus. Je vais utiliser une carte. Devastating Impact. Alors attends, je vais me faire un truc moi aussi. Quand une unité s'active, cette unité doit faire un test de morale où tous ses attachments perdent leur capacité spéciale et en plus tu peux prendre des 3 wounds. En sachant que je contrôle la bourse, tu vas prendre moins 2 au test de morale. Et tu vas et si tu le loupes, tu vas perdre en plus 3 wounds à la place de D3. Donc un test de morale à moins 2. Paye ton double 1 comme tout à l'heure. Ils ont 6. 7 moins 2, ça fait 5. C'est donc loupé. Tu vas prendre 3 dégâts et ton attachment va perdre toutes ses capacités spéciales. Ok. Et maintenant, tu peux tenter la charge. Donc, je tente ma charge. Un seul dé. C'est sur du 3+. C'est bon. Tu peux venir te mettre au contact. Et ok, j'ai plus 2 additionnel automatique X. D'accord. C'est pas ce que ça fait. Alors, tu peux soit te mettre à 100% sur mon socle, soit te mettre en décalé pour laisser de la place à d'autres. Non, moi ça c'est bon. Attends, j'ai les chevaux. Ouais, j'ai les chevaux. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est comme si j'avais jeté un 6 sur ma. D'accord. Donc, c'était bon. Et je fais 2 wounds automatiques. 2 wounds automatiques, d'accord. Donc, je prends 2 wounds automatiques en plus des dégâts que tu vas me faire. Ouais. Qui risquent d'être nombreux en plus. Sans doute. Alors, j'ai toujours mes 3 rangs. Donc, je jette. Je jette 8 dés et c'est du 3 plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Je regarde si j'ai pas une petite carte à jouer. Donc les grandes haches, ils ont deux attaques différentes. Ils ont une attaque quand ils chargent et une attaque quand ils sont engagés au début de leur activation. Et c'est celle où ils sont engagés, où ils gagnent justement. La capacité qui annule les sauvegardes d'armure, ce qui est extrêmement puissant contre les Bolton. Ok. Et je vais jouer cette carte. Quand je fais une attaque de mêlée, je gagne Thundering. D'accord. Donc j'aurai moins 1 au test à ma sauvegarde d'armure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est du 3+. 3+ relançable puisque tu as réussi ta charge. Oh la main. Ouais. Tu filmes là le bouger ou quoi? Vas-y, je filme. Filme le bouger. Le bouger. 3 échecs relançables. Tout passe. Tout passe. Donc là, j'ai ça. J'ai juste un Thundering, c'est ça? Ouais. Moins 1. Ouais. T'as pas un truc spécial avec cette arme là? Bah non, c'est l'autre. Hein. Donc c'est attends, sûr. Attends. For each fail defense save. Si, for each fail defense save, the defender suffers un additional hit from this attack. Ok, donc si je loupe des jets de sauvegarde d'armure ici, je vais devoir en plus refaire des sauvegardes d'armure. Donc t'as 3 chaque, pour chaque échec, ouais, je passe de 2+ à 3+. Donc là, j'en loupe qu'une, à 2, j'en loupe 2, donc je vais devoir en refaire 2.
que je réussis. Donc je prends deux dégâts. Alors à moi de jouer, je vais activer la montagne à cheval. Est-ce que tu veux m'en empêcher ? Non. Alors la montagne à cheval, il va commencer par une petite manœuvre. Gratos. On va faire ça comme ça. Tac. Et il va charger cela là. Vas-y. T'es prêt ? Serre les fesses ? Vas-y. Même pas peur. 6, c'est bon. C'est réussi, charge, 6. Réussi. Ouais, charge réussi sur du 6. Tac, je vais venir me mettre comme ça, comme ça. Comme ça, parce que si je suis un peu sioux, je vais aussi être en dehors de ton champ de vision de cela. C'est ça, si je me mets là comme ça. Hop. Alors, on y va. C'est parti. Alors, lui, c'est une brute. Hein. Critical blow. J'ai 4 dés sur du 3 ou plus. Tu vas te paniquer. Et t'as pas de sauvegarde d'armure. T'as compris ou pas ? Ouais, j'ai compris. 3 ou plus. Relançable. Donc ça fait 3 réussites. Ça fait déjà 3 morts. J'ai pas fait de... Si, j'ai fait un 6. Donc ça fait 4. Ça fait 4 morts. Donc tu peux enlever un rang. Qu'est-ce que tu réfléchis ? Tu réfléchis à... Bah non, je sais pas, j'attends la suite. Ouais. Ça fait un rang. Donc tu es paniqué. Et alors attends, tu vas nous faire un petit test de panique, mais j'ai des trucs à faire. Alors je vais jouer une carte tactique quand tu vas faire ton panic test. Mmh. Je vais jouer entends-moi rugir. Donc l'unité a moins 1 sans test de morale. Mmh. Tu vas avoir en plus moins 1 pour chaque rang détruit. Donc tu as moins 1, moins 2, moins 4 avec Cersei Lannister. Donc un petit test à moins 4. Je vais jouer cette carte pour avoir plus 1 et jeter un dé en plus et plus panic test roll. Plus 1 tout vers panic test roll. Et on gagne plus 1 tout vers panic test roll et plus 1 dé. Non, et plus 1 pour chaque. Donc. En détruit. Mais ça, c'est si tu contrôles l'épée, non ? Non, non, c'est en dessous. Donc... D'accord. Donc plus 1, donc ça annule plus... en fait ma carte. Ouais. Donc t'es juste à moins 2 en fait. T'es juste à moins 2 sur les, ton. Je prends les deux 6. Alors t'es paniqué en plus, hein, donc je vais pouvoir te faire relancer tes dés. Ah bah, ça me paraît pas mal comme ça. Si tu es là, t'es à. Donc t'es à. 4 moins 2, ça fait 2. Ils ont combien de morale de base ? 6, donc ça fait 4 morts encore. 4 morts. Et alors, je vais jouer ça. Donc, quand une unité ennemie loupe son panic test, pour chaque modèle enlevé, restore 1 wound. Donc, je peux soigner d'une une blessure sur une unité à short range. Si en plus je contrôlais la couronne, ça aurait fait 2 en plus, mais c'est pas le cas. Donc, je vais pouvoir. Restaurer 4 wounds ici, donc on enlève la blessure qu'il y avait et on remet un canasson. S'il te plaît. Bon, bah c'est mal barré quand même. Ah, là ça pue du cul. Hein. En marque, s'ils vont pouvoir utiliser leur capacité spéciale, là, la furie des Stark, où ils vont pas prendre de dégâts, ils ont plus qu'un rang. Ouais. Ouais. Bon. Lui, il a une grosse sauvegarde en plus, ce petit bâtard. Il a 2 ou plus. C'est pas un petit bâtard, c'est un gros bâtard. Bon, bah, écoute, ils vont taper. Hein. Ouais, tes Stark qui sont engagés, là. Attends, ils ont combien ? J'ai jeté 5 dés. Putain, c'est chaud, c'est SF de 2 ou plus. Hein. Je peux avoir un foot d'autre. Bon, allez, vas-y, je tape. Vas-y, tape. Combien de dés, toi ? Calme-nous, il ne reste plus qu'un rang. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire la furie des Stark. Ouais. Donc ça leur donne quoi, Critical Blow et Sundering ? Mais gain plus 1 to hit. Ouais. And Critical Blow. D'accord. Donc tu touches sur du combien ? 3 plus. Au lieu de 4 ? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 3 plus au lieu de 4. Et donc les 6 font 2 dégâts. Oh, pas mal. Ça fait 4, ça fait 6. Putain. Et donc Sundering, c'est ça ? Moins 1.
à la save. Non. Non, t'as pas Sundering. Mais gain plus 5, oui. Ah non, pardon. Il a dit que non. Donc là, ça me fait un point de dégâts. C'est pas mal. C'est nul. C'est nul. Nul, nul. C'est nul. Et donc, toi, tu te prends pas les dégâts parce que t'as plus qu'un rang. Ouais. Putain, c'est nul. Alors, ici, moi, je vais activer les hommes de la montagne avec Tywin Lannister. Et donc, quand il s'active, une unité à long range devient affaiblie. Donc, c'est le cas de ceux-là. Je vais les mettre affaiblis. Weakened. Et ensuite, je vais leur faire faire un petit déplacement. Juste une manœuvre. Tac. 5. Tu veux pas te mettre le token affaibli, toi? Mais tu te démerdes. Ça va, ouais. Et les tokens, ils sont là-bas, c'est toi qui me fais ça. Je filme et tout, moi, enfoiré. J'en ai rien à foutre. Attention, hein. Attention, t'es pas à portée. Alors. Tac, un token affaibli. Et ici, une activation. Je sais pas ce que je peux faire. Je peux tirer. Tirer. Je peux pas tirer sur eux, c'était trop loin. Je peux tirer. Ah, tu peux tirer là. Je tire sur mes potes. Alors, si tu tires sur une. Non, mais je tire sur eux. Ouais, là, t'es bien. Ouais. Bah, parce que tu peux tirer aussi sur la montagne, sauf que tu vas devoir faire un test de morale sur tes mecs. Oui, bon, ça là, suffit. C'est un peu. Ça un suffit peu les conneries. Donc, je vais tirer sur. Sur eux. Donc, t'as TD. Ou tu alors... touches toujours sur du plus 1. Et, Non, attends, je vais pas tirer sur. Et ils ont combien en save? 3 plus. Donc il passe à 4 plus avec fracassant. Ok. Je sais pas si je vais faire ça. Non, je vais prendre deux cartes tactiques et m'enlever un condition de token. Donc là, ouais, tu actives. C'est qui? C'est Sansa. Sansa pour prendre deux cartes tactiques et enlever le weekend sur ton escouade là-bas. Ouais. Ok. Con de prendre des... ouais. Allez, ok. Ok. Ouais. Bien, moi, je vais activer ma Cavalry Bolton. Ouais. Et la Cavalry Bolton, elle va taper. Ok. Elle a toujours tous ses rangs. Donc, c'est 8D sur du 3+. J'ai Critical Blow et Vicious. Ok, vas-y. 8D sur du 3+. C'est pas rentable. Par contre, le Critical Blow, ouais. Ah, j'ai combien? J'ai 5-6. C'est ce qui s'appelle avoir le cube bordé de nous, ça. C'est pas possible. Alors, ça fait combien, on a dit? Je sais pas. Ça fait presque 3 échecs et le reste, c'est que des 6. Donc là, ça fait 10 touches. 10 sauvegardes. Alors, ils sont juste vicious, donc j'ai pas de modificateur. Ah, je suis content. À 4+. Ouais. Ouais, je suis pas content, j'ai tout. Là, à côté de tes bonhommes. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas trop mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de bonnes. Ah, pas mal, j'en prends 4. T'en sors bien. 4, ok. Donc là, tu vas pouvoir nous faire un petit test de panique à moins 2, parce que je suis vicious. Ils ont 6. Bon, je vais encore en perdre 3-4. Ah non. Oh si. Oh, le jeu de merde. 3, ah bah non, moins 2, tout. Ça fait 1. Ils ont combien? Ils ont 6. Ils ont 6, 5. Ça fait 5 morts. Ça fait que les squads, elles sautent, ouais. Oh putain. Ah, les jeux de morale, t'as pas une vieille carte de tactique à nous sortir là? Parce que là, c'est vraiment. Ouais, j'avais ça, mais c'est trop tard. Ça, ce qui me permettait d'avoir plus 1, mais je l'ai pas joué. Fallait le. La jouer avant. T'aurais eu un survivant. Ouais, c'est pas grave. Ça me fait un point de victoire en plus. Je crois qu'il faut que cette partie s'arrête rapidement. Pour avoir rasé une unité. Et donc là, comme j'ai rasé avec mon unité de cavalier, je vais pouvoir faire une manœuvre.
sketch. C'est un sketch là ? Ah bah ouais, c'est un bon moment. C'est un sketch. Bah non, mais je tiens bon. Attends, parce que je vais faire. C'est une manœuvre, donc je peux faire ça. Par contre, je suis encore dans la forêt. Donc je vais avancer que de 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner comme ça, parce que potentiellement, toi, tu vas arriver avec de la cavalerie au troisième tour. Et en plus, ce sera à toi de jouer. Je vais juste vérifier, tu peux peut-être me faire le fion, mais je ne sais pas si c'est dans ton intérêt. Activation terminée des canassons. Bon, bah, je vais tirer avec eux. Ouais. Allez. 8. Sur du 3 plus. 1, 2, 3, 4, 5. 5, et donc c'est à moins 1. C'était avec mon truc, ouais. Ouais. Eh ben, ça fait 2 dégâts, parce que moins 1, je passe à 3. Donc ça fait 2 points de vie sur mes... Et ils en avaient déjà combien ? 2. Ouais. Donc ça fait... Tu peux en laisser 1 et enlever un mec. Ok, et donc du coup, là, test de panique peut-être aussi. Parce que j'ai pris des morts. 8, c'est bon. Donc là, c'est à moi. Tout ça, c'est activé. Du coup, je peux plus jouer mes cartes tactiques des Darskar. Si, ça n'empêche pas son fantôme. De toute façon, ça sert à rien. Son fantôme continue. Moi, il me reste plus que... Il me reste plus que les coupes-gorges. Je vais les faire courir. Que de 9 du coup, parce qu'ils sont dans la glace. Voilà. Je vais faire un truc comme ça. Ok, activation. Est-ce qu'il te reste des choses ? Il te reste un mur à faire tirer ? Un mur, 8. Et tire où ? Bon, sur eux. Ou alors sur les 4. Oui, crunch, hein, ils ont que 5 plus en sauvegarde d'armure, donc ils vont passer sur du 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Tac, tac, sur du 3 plus. Ça en fait 7. Ouh là là. Ouh là là. Donc je sauvegarde à moins 1, donc c'est sur du 6. J'en sauvegarde qu'une, donc ça me fait 6 morts. 6 morts. 6 morts, ouais, et puis je vais faire mon test de panique. Ils ont en panique, ils ont 7 plus. 8, c'est bon. Pas de malus, c'est bon. T'es merde, ça dégage, moi ça. La moitié merde. Bah ok. Toi, t'as tout activé ? Ouais. Moi aussi. C'est la fin du deuxième tour. Alors, c'est le début du troisième tour. Momo nous a fait arriver des renforts. Donc, à partir du troisième tour, les renforts peuvent être déployés au début du tour et ils ne comptent pas comme ayant été au début du round, pardon, et ils ne comptent pas comme ayant été activés. Donc, tu vas pouvoir les activer. Et en plus, Momo, c'est toi qui as le trône ce tour-ci. Donc, c'est toi qui vas pouvoir ouvrir le bal. Eh ben, je vais commencer. Je vais. T'as l'embarras du choix là. Je vais. Il faut que je réfléchisse un instant. C'est-à-dire qu'ici, tu as une menace, mais ils ont déjà cassé leur bout de château. Et de l'autre côté, tu as une menace. T'as pas cassé son bout de château. T'as cassé son bout de château. Ouais. Bah, je vais activer cela. Ouais, ça me paraît. Et je vais charger. Alors, tu as ta manœuvre gratuite, déjà, tu peux te mettre sur le... Je vais avancer comme ça, flanc. Je me mets sur le flanc, ouais. Et puis j'essaie de charger. Je regarde si j'ai pas un truc spécial à jouer. Alors, pardon, moi j'ai oublié de... Je voulais jouer ça, Momo.
à partir du troisième tour. Donc à chaque fois que tu vas activer une unité, tu dois faire un test de morale. Sinon, ton unité est paniquée. Donc je veux bien que tu fasses ton test de morale, s'il te plaît. Bon, ça, je les rate, donc techniquement... Bah, dis pas ça. Techniquement, je vais m'en trouver paniqué. Voilà. Alors, c'est effectivement un 3. Donc, je suis paniqué. Donc, t'es paniqué, là. Ça va juste concerner tes tests de morale. Oui. C'est pas mon truc, le moral. Non, c'est pas ton truc, non. Après, il faut que tu fasses ton dé pour la charge. Faut pas que je fasse 1. Faut le jeter à la caméra. On le dit ou pas, c'était un de l'autre. Non, je l'ai rattrapé au vol. Ok, alors c'est parti, la charge est réussie. Donc tu vas pouvoir relancer tes dés et puis pouvoir jouer des cartes tactiques aussi. Oui. Bah non. Je vais juste jeter mes dés. Donc, j'ai 8. Ouais. Alors je vais peut-être jouer un truc, moi. Ah non, parce que t'as réussi ta charge. Non, je te laisse faire, vas-y. Donc c'est sur du 4+. C'est sur du 4+, c'est relançable. Ça va, ça va. Après, moi j'ai mes save à -1 parce que tu me prends le flanc, ils ont pas de... t'as pas d'autres bonus, hein. Donc je passe sur du 3+. Oh, j'en loupe 3, donc je vais perdre un canasson. Hop. Et un petit test de morale. C'est bien que toi aussi. 7 et ils ont 6, donc c'est bon. C'est bon. Par contre, c'était -1, donc ça fait 6, mais ça passe quand même. Ok, à toi. Je vais activer notre ami Paisel et je vais prendre ici un mouvement, une manœuvre ou une retraite gratuite. J'ai joué une carte. Ouais. Ouais. Hein? Non. Bah non. Non. Putain, quel con. Tu joues pas? Bah non. Donc je vais faire une retraite ici sur mes chevaux. De combien est-ce que je peux retraiter? 4+5, 9. Donc je vais juste utiliser au maximum pour venir mettre ici. Tac. Voilà, ils sont là. Donc ça c'est fait. C'était la manœuvre gratuite. À toi. À moi. Je vais venir. Elle est où, ma Kathleen? Je vais jouer Kathleen pour récupérer 3 points de vie. 3 points de vie. Je vais remettre cette petite carte-là. À toi. Attends, je... Hein? J'ai activé quoi? J'ai activé... Je vais activer mes cavaliers. Est-ce que tu veux m'en empêcher? Oui, bien sûr que je vais t'en empêcher. C'est vrai? Hein? Tu utilises ton token? Ouais. Ok. D'accord. Donc, je vais faire autre chose. S'il te plaît. Je vais activer ici. Vas-y. Cela là. Je vais charger l'unité. Alors laquelle je charge? J'ai bien envie de charger cela là. 6. T'es prêt? C'est bon. Donc, je vais venir me mettre là. T'es deux là? Ouais. Vas-y. En face? Bah, je me demande justement.
Soit je les mets comme ça, soit je les mets. Hein ? Ouais, ça bloque. Soit je les mets comme ça, soit je les mets comme ça. Ça dépend de ce que je vais faire avec ceux-là. Moi, je vais les mettre comme ça, parce que potentiellement, ça va me laisser de la place pour la montagne. Allez. La montagne, ça vous gagne. Alors, c'est parti pour la charge. Il me reste deux rangs. Alors, règle spéciale pour cela. Si cette unité attaque une unité qui n'a pas été activée ce tour, ils deviennent vulnérables. Donc, je vais te faire relancer tes sauvegardes d'armure. J'ai 6 dés sur du 3+. Des sur du 3+, c'est relançable, tout passe. Donc des sauvegardes d'armure normales. Par contre, tu es qu'est-ce que j'ai dit, tu es vulnérable, donc je vais pouvoir te faire relancer. Donc c'est sur 4+. C'est nul. Ah, c'est pas mal. Ben, 5 morts. Et je suis vicieux, donc tu vas pouvoir faire un test de morale à -2. Nul, à -2. Bon bah ça, je rate, j'en perds. Oh putain, t'es sérieux ou pas? Ça fait du... Ça fait 2. 4, ça fait... J'ai 6, j'en perds 4 de plus. 4 de plus. C'est un échec. Critique. Ah putain! Quoi? C'est pas grave. T'as encore oublié ta carte? Ouais, mais c'est pas grave. C'est ça? Vas-y, c'est pas grave. Alors moi, par contre, j'ai un truc. Est-ce que je peux jouer ça? Je peux essayer de... Est-ce que je suis à short range? Ah ouais, je peux soigner ma montagne. C'est un peu gâché, mais écoute, je vais faire ça. Je vais réparer une blessure de la montagne. Parce qu'on sait jamais, des fois, ça tient pas grand-chose. C'est bon, c'est fait pour moi. C'est l'activation de mes Bolton. À toi. Chagrin. Bon. Allez, je joue la petite meuf, là, pour faire une attaque en fait. C'est la mienne, celle-là. C'est bien, elle est plus jolie. J'aime bien celle-là, elle est plus jolie. Bon, bah, je sais pas quelle carte je prends parce que j'en sais rien. Ok, je fais une attaque. Alors qui? Une E sur E. E sur E. 4, 5D. 5D, c'est sur du 4+. Je fais Stark Fury. Donc c'est sur du 3+. Et Critical Blow. Ok, 6. Et en plus, t'as joué Kathleen sur eux, non? C'est sur eux que t'as mis Kathleen? Non, c'est l'autre. Ah merde, parce que sinon, ils auraient tapé à leur plein potentiel. T'as pas un 3+, attention. Et je fais des 6, là. Autant je rate mes tests de morale, autant je peux faire des 6 sur les attaques. On y croit. On y croit. Allez, il y en a un et un échec. Donc c'est pas mal, ça fait tout ça. On fait 5. Et donc 5 sauvegardes d'armure normale, il n'y a pas de modificateur. T'es à combien? Je suis à 5+. Non, mais putain, mais c'est pas possible! Allez, mais c'est pas possible! Un mort! Attends, je vais faire un panic test quand même. Peut-être que ça va mal se passer, on sait jamais. Mais attends quoi? Je le fais, moi, voilà, pas de problème, rentre chez ta mère. Putain, les chiens que tu fais, bâtard! Ouais, j'ai de bâtard. Déjà que c'est pas facile, mais alors. Ouais. Ok, bah vas-y, c'était nul. Vas-y, à toi. Bravo, un mort. Tu te mets un token d'activation là? Non, c'était l'action gratos. Ah, l'action gratos. Alors moi, je vais activer mes cavaliers Lannister. Est-ce que tu veux m'en empêcher? Est-ce que tu veux me forcer à activer le chien? Ouais. De tête. Ouais, je t'en empêche. Tu n'aurais pas oublié de jouer un truc, non? Jouer Ah putain, j'ai oublié de te faire ton test de morale pour savoir si j'étais paniqué. C'est pas grave, c'est Vas-y, ma faute. Vas-y, joue autre chose. Je vais jouer autre chose. Je vais jouer mes cavaliers Bolton. Vas-y. Alors, mes cavaliers Bolton...
Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Regarde bien ça. Alors, je vais faire ma manœuvre gratuite. Et c'est pas une raison pour utiliser ça. Tac. Et après, je vais charger le mur. C'est bon. Mec, je suis content de 6 que tu as fait. Ouais, mais là, 2 ou 6, ça non, change rien. Juste, moralement, c'est difficile pour moi. Moralement, c'est de voir que des 6 sortir de ton côté, ça. Après, j'ai 6 dés. 6 dés. Critical Blow et Vicious. Mais Vicious, ça fait quoi? Contre un mur. Moins 2, ouais, sur un mur, ça fait rien. D'être vicieux sur un mur, ça fait rien du tout. Donc c'est sur du combien, là? C'est sur du 3 ou plus, mais j'ai réussi ma recharge, donc c'est pour le seul. Tu peux le tuer d'un coup, là? Ben ah non, il faut faire 12. Bah oui, faut faire 12. Ouais. Ah, sauf si je fais que des 6. Mais non, tu l'as déjà fait tout à l'heure. Ah, je peux relancer mes échecs. Heureusement, parce que pour l'instant, c'est franchement pas terrible. Oh, c'est un peu mieux. Donc là, ça fait 4, 6 réussites, 8 réussites. Donc ça fait 4 points de vie. Là, il fait plus à chaque fois. Ouais, allez. T'es bon. Eh ben ça, c'est fait. C'était l'activation de mes Bolton préférés. Ah bah c'est bon, au prochain tour, c'est fini. Peut-être pas. Bah si. Peut-être pas. Bon, ok. À toi. Je charge. J'essaye. Attends, fais ton test de moral parce que là, je vais pas l'oublier. Pour voir si t'es paniqué. Pourquoi? C'est ma carte que j'ai joué au début du tour avec mon 6. 6, c'est bon, a priori, non? Ils ont combien? Ah non, mais 6, c'est raté. J'en ai pas réussi un. Ah si, ils ont 6. Alors, tu vois, t'as réussi ton test de moral. Allez, je charge. Ouais, vas-y. Je paye mon petit 1. 3. Non, 3, c'est bon, ouais. Donc là, ça va faire mal dans le dos. Là. Une charge dans le dos, ça fait mal. 8D, c'est ça? 8D. Sur du 4 plus relançable. 1, 2. Et je vais avoir moins 2 à mes tests d'armure, moins 2 au moral. Alors, heureusement que c'est relançable. Allez, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 à moins 2. Donc ça me fait sur du 5 ou plus. Ça fait que j'en réussis 2, j'en perds 3, donc ça me fait un cheval de mort. Je vais faire un test de morale à moins 2. Aucun commentaire sur cette attaque. 8, moins 2, ça fait 6, et les cavaliers Lannister, ils ont 6, donc c'est bon. Les gars, je sais même plus. Alors je vais activer mes hommes de la montagne. Tu veux m'obliger à faire autre chose ou pas? Non, non. Donc, quand cette unité s'active, une unité à long range devient weekend. Affaibli. Donc, je vais définir ceux-là. Là. Ceux qui battent contre la montagne, s'il te plaît. Ils vont être affaiblis. Merde avec tes pions, je t'ai déjà expliqué. Mais non, mais aide-moi, enfoiré. Rien à foutre. Quel enfoiré. Ok. Et après, voilà. Je vais tenter une charge sur ceux-là, là-bas. Si tu veux, moi, je veux bien, je t'ai aidé à ta place. C'est le seul truc que je veux bien accepter. Donc, c'est une charge à 9. Il va falloir que je fasse un 4 ou plus. T'es prêt? Oh putain, c'est un loupé. Donc non seulement... Ouais, bah de toute façon, c'était mort. Donc je vais avancer de 6 et je vais faire mon test de morale. Bravo, Tywin. Coupe des armes en plus. Test de morale. Pas de problème, c'est un 9, c'est réussi. Mais c'est une charge loupée, par contre. À toi. Eux, ils n'ont pas tapé encore. Eux, ils n'ont pas tapé encore. Vas-y, ils vont taper avant qu'ils existent encore. Avant qu'ils soient arrivés de la terre. Je peux taper... Ok, à full range, à full dé. Donc 8. Parce que t'as mis 4 lignes. Ouais, 6, 7, 8. Vu qu'ils sont super chauds... Tu veux utiliser la furie des stars? J'utilise pas la furie... Non. Alors, si tu veux te les finir, hein. Mais de toute façon, ils vont mourir tout de suite après. C'est pas sûr. Bon, allez, je l'utilise pas. Bim, 8, 4+, t'es prêt? Attention.
2, 3, 4. Alors, tu vas relancer tes récits, s'il te plaît. Je vais utiliser le touch-up. 3. Ça fait 3. T'as pas utilisé ta furie des stars? Non. Alors, ça fait 3 sauvegardes d'armure. De 2 plus, c'est bon, c'est réussi. Je vais activer la montagne. Et je vais tataner tes gardes. Allez, vas-y. Ou alors, attends, non. Non, je vais commencer par faire autre chose. Merde, j'ai oublié de leur faire leur test de panique aussi. Tu me fais pas penser, toi, non plus. Mais j'ai même pas compris que c'était sur chaque... À chaque fois que t'actives une unité. Et donc, j'ai encore oublié. Non, mais de toute façon, c'est pas grave. Bah, écoute, je peux tu veux que je le fasse parce que là j'y crois. J'ai l'impression que je peux y arriver à faire un test. J'ai oublié, c'est ma je faute. Je peux en réussir un avant la fin de la partie. Regarde ce que je vais faire. Je vais faire Cersei sur la couronne et je vais te faire un test de panique. C'est moche. Sur ton escouade à moins 2. À moins 2. Ils sont tous morts. Voilà. Alors attends, fais le calcul. Non, ils sont morts. 2. C'est mort. Ouais, ils sont tous morts. Eux, ils tirent sur eux. Ah, ok. Allez. Allez, 8 dés sur du 3+. On n'en parle plus. Moins 1 en plus, ils vont voler, c'est con. Heureusement que j'ai fait cette carte. Ah ouais, heureusement que tu as joué. Parce que ça t'a fait moi, je rentre chez moi. Mais non, mais reste là, mon moi. C'est pas mal, regarde. J'ai ça. Et après, je dois faire des 6, moi, pour sauvegarder. Parce que t'as fracassant. J'en sauve un, il y en a 3 qui meurent. 3 qui meurent, je vais tout de suite faire leur test de morale pour savoir si on en perd plus. Facile. Donc il y en a 3 qui meurent. Tu m'aides pas en plus, hein ? Je te dis merde. Je vais faire ici la montagne ici. Vas-y. La montagne va taper. Va taper la montagne. 4 attaques, 3+. Oh, critique à bloc. Non mais sans déconner, non mais j'arrête, oh merde. Je déclare, non mais... Je t'ai pas paniqué, donc ça... alors t'as pas de sauvegarde d'armure par contre. Mais... Alors ça fait, on a dit combien, 4, 7, 7 morts. Bah voilà, ils sont tous morts, mais... Ils sont tous morts? Ah ouais, merde. Eh mais... Ouais, je à sais, quel moment, tu mords des nœuds. À quel moment on en parle quand même officiellement de TG? Non mais on fera un point à la conclusion, Momo, c'est pas grave, ouais. Écoute, j'ai pas fait exprès, j'ai de la chance aujourd'hui, la fée clochette veille sur moi. Et pas sur toi. Qui je m'étais proposé pour monter cette vidéo, il est hors de question que je revoie cette partie. Tu la reverras sur YouTube. Je la reverrai jamais, mec. Peut-être que je vais la poster sur YouPorn, tellement c'est un viol sur toi. Je crois que je remarque encore un point de victoire. Et du coup, j'ai une manœuvre gratuite. Parce que ça, la cavalerie. Là, on veut pouvoir ouvrir la porte du petit château, là. Ok, ça c'est fait. À toi. Je tire avec les petites flèches. Avec tes petites flèches? Sur qui tu tires, Momo? Sur les mêmes. Ceux-là, hein? Ouais. Les Bolton? Non, je tire sur eux. Ah, t'as pas d'autres types de choix, hein. Parce qu'ils reviennent après en plus. Allez, reviennent. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est pas six. Mal. Alors, mais ils ont un 4 de base, donc je passe à 5 de sauvegarde d'armure. Non, mais. Là. Non, non, mais Momo, je suis désolé, si tu veux, je le relance. Même ça. Ouais, non, je suis désolé, regarde, il y a beaucoup de 5 et de 6, donc j'en perds un. Je vais faire un test de moi, je vais peut-être le louper. J'essaie de t'aider, Momo. C'est vrai que c'est pas décent. Tiens, 6 et 5. Ah putain, je suis désolé. Je m'excuse. C'est bon, t'as joué? Ouais. J'attaque là-bas les chevaux, la cavalerie, est-ce que tu veux? J'ai pas l'idée, c'est pas la peine. Bah, tu rigoles ou quoi? Je vais me retourner. Tu vas faire des... Si, je vais te faire face quand même, parce que je vais pas te... j'en ai marre que tes chevaux reniflent le fion des miens depuis tout à l'heure. Allez, hop, c'est parti, on se bat. J'ai pas de charge, donc j'ai pas tous les bonus. J'ai que 6 dés de base, sans relance. C'est sur 3 ou plus. Je crois que j'ai oublié ma suprématie d'amitié en plus tout à l'heure.
Tu vois, c'est ça le problème quand on filme en même temps. J'ai que 4 réussites à toi, sauvegarde d'armure. Allez, Momo. Allez, fait... 4 points de dégâts. Non, si, j'ai tout raté. Non, mais je ne l'ai pas jeté celui-là. J'ai jeté celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord, 4 points de dégâts. Un petit essai de morale. Oh, oh Momo. Qu'est-ce qui se passe? Eh. Double 1. Eh. Ouais. Ça fait un an qu'on n'a pas joué ensemble. Ouais, c'est vrai. Regarde ouais. Ce qui se passe. Je repars. Tu repars tu repars pour un tour du monde. Je veux plus te voir. Tu m'avais presque manqué. mais pas aujourd'hui. Mais là. Regarde. Donc là, non, mais c'est pas moi. C'est toi qui fais double 1. Moi, je fais des gros chiffres, mais toi, tu fais des chiffres de merde. Donc, 2. Ils ont combien en morale? 6. Ça fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Ça fait 5. Ça fait 4 points de dégâts. 3 plus 1. Bah attends, t'avais déjà deux... non. Ah non. C'est leur token d'activation. L'autre, je viens y taper dans le huc. Je lui fais pas un dégât. Si, tu m'as tué un Allez. Cheval. Allez, je t'ai rien tué du tout. Tu m'as tué un cheval, je t'en ai tué deux. Et puis, il y en a un autre qui saigne du nez aussi. C'est pas eux qu'on fait ça. Ils sont vraiment entendu. Est-ce que c'est la fin du tour? Ah non, j'ai pas jeté ma carte pour le test de mort. Ouais, c'est la fin du tour. Non, ah, mais c'est la fin de tout. C'est la fin de tout? C'est la fin du monde? Moi, j'ai tout activé. Allez. Bon, les amis... C'est le quatrième tour, il y a eu un petit problème dans le filmage ou dans la filmagisation. J'ai loupé le début du quatrième tour, mais on va vous le résumer, ça a été très rapide. J'ai activé ma cavalerie Bolton qui a fait un dégât au mur, j'ai pas réussi à le finir. Je me suis fait charger dans le dos par la cavalerie de Momo qui m'a fait un mort, mais il m'en restait toujours un. Et ensuite, j'ai... réactiver la cavalerie Bolton parce que la première attaque je l'avais fait avec l'épée et donc c'était gratuit. J'ai réactivé ma cavalerie Bolton qui casse le mur et ce qui met fin à la game puisque je suis à 13 points de victoire. Momo, mon objectif est atteint. J'ai cassé ton château. Bah, c'était une partie très serrée. Ça y est, les amis, fin de la game. 13-0. Putain, ça s'est passé exactement comme prévu. se déroule sans accroc. Il y a des jours comme ça. C'est un jeu de dés, donc il y a des jours où on fait moyen. Mais là, ça a été le cas extrême où toi, t'as fait que des 1 et moi, j'ai fait que des 5 et des 6. T'as loupé pratiquement tous tes tests de morale. Non, mais pas pratiquement. J'ai loupé tous mes tests de morale. J'ai oublié de t'en faire quelques-uns en plus. J'ai oublié des fois. Tu veux, je rejette les dés. Suprématie Lannister. Je vais en réussir un avant de me barrer. Tu vas faire combien? Bah, tu dois faire de Suprématie Lannister, c'est à moins de 2. Donc, Et bah, tu vois, 6 et 7, non, c'est loupé. C'est loupé. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois, Momo, ce sera ton jour. La prochaine fois, c'est moi qui vais faire que des 1 et toi qui es des 6. La roue tourne, mon gars, comme on dit. Non, mais j'ai besoin d'un. Ouais, là, t'as besoin d'une thérapie. J'ai besoin de consulter. T'as besoin d'une thérapie d'après-viol, là. Même pas loin. Il va falloir combien de temps pour m'en remettre? Je sais pas, non, juste la prochaine partie. Il faut qu'on remette ça tout de suite, Momo. Boum, faut retourner tout de suite quand ça se passe comme ça. Mais il faut que je cicatrise avant. Alors, tu vas cicatriser tes plaies et tu reviendras. Ça s'est pas mal passé pour les Lannister Bolton. J'ai joué scénar et puis malheureusement pas eu trop de résistance en face parce que ouais, ça s'est pas passé comme prévu au niveau du plan. Il y a des joueurs comme ça, j'ai joué l'objectif, je suis vraiment parti à l'assaut des murailles, mais c'est pas normal, j'étais pas réussi à me péter une escouade quand même parce qu'à 13-0 il n'y en a pas une, c'est comme ça. Scénario numéro 3, bon écoutez, on va en refaire. Parce que de toute façon, on a construit un château maintenant. Hein, impression 3D, peinture par mes petites mimines. Donc, comme on a notre château, on va en faire. La prochaine fois, c'est toi qui auras ta revanche, Momo. Tu choisiras qui tu veux jouer et qui je joue en défense avec plaisir. Donc, tu auras ta revanche et toi aussi, tu pourras casser mon château. Ouais, avec grand plaisir. D'autres commentaires? On n'est pas. Vous pouvez faire des commentaires si on a fait des conneries. Je pense qu'au niveau des règles, on commence à bien maîtriser maintenant. Il y a juste des petits oublis des fois de compétences, de cartes tactiques, etc. On n'est pas encore au top. Mais en tout cas, on s'améliore et grâce à vous, faites-nous des commentaires sur la vidéo si vous voyez qu'on est passé à côté de certains trucs. N'hésitez pas. Vous nous mettez un petit pouce aussi si vous voulez, vers le haut ou vers le bas. Hein, oui, pour mon moral, ça me fera du bien. Pour le moral de Momo, ça me fera du bien. Ok, donc voilà, Momo, la prochaine fois,
La fée clochette sera avec toi, elle va tourner. En tout cas, aujourd'hui, elle était bien avec moi, la fée clochette. Bra, bra, bra. Voilà, les amis. À bientôt pour une vidéo sur les dingues de jeux. On jouera d'autres jeux aussi. On va reprendre sans doute du Eden. On aimerait bien se refaire un gros multijoueur. On va faire du Star Wars Légion. On va faire du Necromunda et plein de trônes de fer. Donc, on vous dit à bientôt sur les dingues de jeux pour une nouvelle vidéo, les amis. Salut. Salut.